chez vous sur Bethel Dakar Radio Télévision dans Réponse à vos questions, l'émission qui vous éclaire sur des questions liées à l'actualité et également à la parole de Dieu. Le thème de ce soir porte sur le retour de Jésus-Christ et le nouvel ordre mondial. Pour en parler, nous avons un invité de marque qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Donc, il est professeur, consultant, formateur en ressources humaines, management des organisations, ingénierie pédagogique et en technique de rédaction administrative. Il est également secrétaire général de la Fondation Alliance Afrique-Israël et également membre du Conseil national de la Ligue de la lecture de la Bible. Et pour ne citer que ça, il est aussi responsable des intercesseurs pour la Côte d'Ivoire, IPCI. Donc, je vous prie respectueusement de recevoir, d'accueillir sous vos acclamations nos invités. L'ancien Raphaël Aouni, que nous recevons avec beaucoup de respect. Et donc, pour pouvoir débuter, je donne la parole à mon collègue Gelor Kabangeli. Bonjour Dominique, bonjour l'ancien Raphaël Aouni, bonjour à tous. Ils sont très contents de vous recevoir aujourd'hui. Partons de votre thème, le retour de Jésus-Christ et les nouvelles ordres mondiales. Jésus, parlant de son événement, promet à ses disciples, je cite, « Je reviens bientôt ». Fin citation. Comment pouvez-vous en interpréter les bientôt? Bon, merci pour cet honneur que vous faites de me recevoir sur votre plateau. Quand Jésus dit « Je reviens bientôt », en fait, il donne une indication importante sur un certain nombre d'événements qui vont se produire et qui vont marquer ce qu'on va appeler la fin du monde. Quand il dit que je reviens bientôt, ça veut dire qu'il était là, il est parti. Et donc, à un temps donné, il reviendra. Il marquera donc son retour, et son retour sera précédé d'événements qui ne devront pas nous laisser indifférents quant à la parole qu'il a dite, je reviens bientôt. La venue de Jésus-Christ était précédée d'un précurseur. En faut-il encore pour sa seconde venue? Il y a un certain nombre de choses dont la Bible parle. Des choses d'ailleurs qui émanent de celui qui a dit « je viens bientôt » ou « je reviens bientôt ». Ces événements ont été annoncés il y a des milliers d'années en arrière. Et il se trouve que sous nos yeux, certains d'entre eux se sont réalisés, d'autres sont en train de l'être, et d'autres encore arrivent à grands pas. On ne peut donc pas douter d'un seul instant de ce que Jésus revient. L'ancien Raphaël Aouni, le branhamiste pense et attribue Malachie à Branham, qu'il présente comme l'île qui devait précéder la seconde venue du Christ. N'ont-ils pas raison, juste là? Ce sont des opinions, ce sont des croyances. On ne peut pas empêcher quelqu'un de croire et d'exprimer ses opinions. Mais il y a une chose qui est certaine pour nous, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est vraie. Et vous pouvez citer des personnes, vous pouvez citer des propos que ces personnes ont dû tenir, mais si vous les mettez en rapport avec le monde et les événements qui jalonnent ce monde, vous pouvez les apprécier à leur juste valeur. Or, la Bible a dit des choses, comme je l'ai dit, qui datent de milliers d'années en arrière et qui sont en train de se réaliser. J'ai dit, certains d'entre elles se sont déjà réalisées, d'autres le sont. Et ce qui est frappant, c'est que ces choses se réalisent au millimètre près, c'est-à-dire sans qu'il y ait des écarts. Donc vous comprenez que entre ce que des personnes ont pu dire et ce que Jésus de Nazareth a dit, la différence, on la voit tout de suite sur ce qui se présente aujourd'hui à nous et sur l'histoire. Parce que vous savez que l'histoire, ce sont des faits. Et ces faits-là nous parlent, ces faits-là nous éclairent. Et quand on regarde les propos d'un certain nombre de personnes qui ont vécu, qui ont existé,
quand même influencé d'autres personnes par rapport à l'histoire. Les propos que Jésus a tenus sont des propos qui montrent que ce que Jésus a dit est vrai. Voilà toute la différence. Cela montre que ce que Jésus a dit est vrai. Ancien Raphaël, pourriez-vous revenir brièvement sur ces quelques signes qui se sont déjà réalisés et ceux qui vont se réaliser? Vous faites bien de dire quelques signes parce qu'il y en a, il y en a plusieurs. Mais je voudrais donner quelques signes qui entraient à l'actualité. Et on pourra donc les vérifier. Et on ne dira pas que nous sommes en train de tenir des propos abstraits. Quand vous lisez la Bible, Jésus, parlant de son avènement, de son retour, il a rappelé des choses importantes. Et la Bible nous montre, par exemple, que avant que Jésus ne revienne, le temple qui a été détruit, vous savez que le temple dont Jésus parlait dans Matthieu 24 a été détruit en l'an 70, et il avait prédit déjà quand il parlait avec ses disciples. Ce temple qui a été détruit sera rebâti et il sera au centre d'événements dont parle la Bible. Aujourd'hui où nous parlons, ce temple, qui a été détruit n'est pas encore rebâti. En lieu et place existent des édifices comme le Dôme du Rocher ou la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Mais c'est précisément à cet endroit que le temple avait été bâti, les deux premiers. C'est à cet endroit qu'Abraham avait obéi pour le sacrifice d'Isaac. Et puis le culte du temple va reprendre, et c'est relativement à la reprise du culte du temple que je voudrais donner quelques éléments qui sont des signes importants du retour de Jésus. Quand vous lisez Nombre chapitre 19, vous découvrez dans ce texte qu'il est question d'une eau de purification qui a été faite à partir du sacrifice d'une vache rousse qui devait être sans défaut. Il se trouve que quand le culte va reprendre dans le temple, le troisième temple, cet élément fondamental va être d'usage. La vache rousse avait disparu du cheptel du peuple d'Israël depuis des centaines d'années. Et depuis quelques temps, cette vache rousse est réapparue dans le cheptel de façon miraculeuse. C'est un signe. Quand vous regardez toujours la Bible, le culte qui va reprendre dans le temple, il doit l'être à partir d'ustensiles. Si vous regardez la construction du tabernacle dont a fait mention Exode, tabernacle d'ailleurs qui a été, dont le modèle a été donné par Dieu à Moïse, à l'issue, il y a un certain nombre d'ustensiles qui avaient été fabriqués sur ordre du Seigneur et qui servait dans le rituel du temple. Ces ustensiles, après la destruction du temple, certains ont été emportés, d'autres ont été détruits. Mais aujourd'hui, je vous parle, si vous allez en Israël, j'ai eu le privilège d'y être, 70% de la reconstitution des ustensiles, nous sommes arrivés à hauteur de 70% de la reconstitution de ces ustensiles. Le juif judaïsant croit dur comme fer que le temple sera reconstruit et que le culte va reprendre dans le temple. C'est pour cela que ces ustensiles sont en train d'être reconstitués. Autre fait qui peut être vérifié, c'est que les édifices bâtis sur l'emplacement du temple aujourd'hui connaissent des fissures en leur sein. Fissures qui ne sont pas le résultat d'une attaque ou d'une bombe, etc., mais qui sont de façon naturelle, qui apparaissent de façon naturelle et qui montrent manifestement que quelque chose va se passer. Donc vous voyez, c'est autant de faits qui sont vérifiables, observables, qui montrent bien que ce que la Bible a dit est vrai. Et donc c'est des signes qui montrent que Jésus revient. Donc vous venez de citer entre autres les quelques signes qui se sont déjà réalisés, et parlons-en de ceux qui vont se réaliser. Bon, parmi ceux qui vont se réaliser, j'aurais pu dire l'un des signes les plus marquants, c'est la reconstitution même de l'État d'Israël. Israël a été, les Juifs ont été dispersés, et puis en mai 48,
Israël a été reconstitué comme un État, l'État juif, avec au capital éternel Jérusalem. Je voudrais vous rappeler aussi pour l'histoire qu'à l'issue des différentes occupations de la Palestine et des guerres qui se sont succédées, Jérusalem avait été divisée en deux. Jérusalem Est, que contrôlait la Jordanie, et puis Jérusalem Ouest, qui est revenu à ce État naissant d'Israël. Mais la Bible dit dans le psaume 122 de Jérusalem que toutes ces parties sont liées ensemble. Et quand Jérusalem avait été conquise à l'époque par le roi David, il l'a consacrée comme étant la ville de l'Éternel, et c'est là que le temple a été bâti. Jérusalem était donc depuis lors la capitale éternelle d'Israël. Dans l'histoire, après la guerre de 6 jours, Israël a reconquis Jérusalem-Est et aujourd'hui, Jérusalem est redevenue cette même capitale. Alors, pour les événements à venir, la Bible parle d'un certain nombre d'événements. Quand vous regardez la chronologie des événements de la fin, il y aura l'enlèvement de l'Église, par exemple. Et l'enlèvement de l'Église va être précédé d'une atmosphère que décrit la Bible par rapport aux hommes, par exemple. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront quoi ? Calomniateurs, fanfarons, l'iniquité va s'accroître, la charité du plus grand nombre va baisser, il y aura de faux Christ qui vont se lever. Donc ce sont autant de choses que nous vivons aujourd'hui et qui ne devraient pas nous laisser indifférents. On peut ne pas croire à ce que la Bible dit, mais quand on met en parallèle les événements actuels et les choses qui ont été dites dans la Bible, on doit pouvoir s'arrêter pour réfléchir un instant et se dire, mais au fond, comment peut-on avoir annoncé des choses des centaines, des milliers d'années avant et qu'on réalise aujourd'hui que les choses sont en train de se produire sous nos yeux telles qu'elles ont été décrites? On comprend donc que la Bible est digne de foi. Il y aura des guerres, il y aura des pluies de guerre, il y aura, même si nous voulons coller un peu à l'actualité, pour ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, ce sont des événements qui sont en train de préparer une sorte de coalition qui demain va fondre sur Israël. Ça fait partie un peu des choses dont la Bible parle concernant les événements de la fin quand l'Église sera enlevée. Entre autres, la guerre d'Armageddon, si vous en avez entendu parler, la guerre de Gog et de Magog. Donc ce sont des choses qui sont en train de se préparer petit à petit, à partir des actualités dont nous sommes témoins aujourd'hui. Ancien, nous poursuivons avec vous. Donc nous venons, entre autres, d'énumérer brièvement ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Et parlons à présent du nouvel ordre mondial. À quoi renvoie ce concept? Alors, votre question est d'autant plus importante que la notion, le concept du nouvel ordre mondial, qui est un concept idéologique et politique, c'est en sorte une sorte de consolidation d'un gouvernement mondial qui s'évertue à travailler à un projet qui est commun. Et le projet prend en compte une sorte d'anéantissement du pouvoir des États. Ce projet prend en compte la mise en place d'une pensée unique. Ce projet prend en compte l'exploitation d'un grand nombre par une élite. En clair, le nouvel ordre mondial prépare la venue de ce que la Bible a appelé l'Antichrist. Vous voyez, on est parti d'un certain nombre de concepts tels que la globalisation ou la mondialisation, qui, elle, a pour finalité de nier l'existence de Dieu. Et la Bible en parle. La Bible en parle. Et finalement, on va mettre en place un gouvernement mondial qui va travailler justement à aboutir à la mise en œuvre d'un plan qui va toucher plusieurs domaines, des domaines clés, et qui va faire le lit à la venue de l'Antichrist. Celui que la Bible appelle, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'impie. Et vous permettez que je rappelle que dans ce texte,
la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, si vous lisez les 10 premiers versets, vous verrez que cet impie qui va se faire passer pour Dieu, qui va vouloir se faire adorer, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple dont je viens de vous parler. Et donc, c'est cette action d'abomination qui va amener les Juifs à se révolter contre cet homme. Donc, vous voyez que la Bible parle de cet homme-là et le nouvel ordre mondial travaille à la venue de cet homme. Alors, le nouvel ordre mondial travaille à la venue de cet homme. Alors, comment est organisé ce courant de pensée? Quel mode de fonctionnement? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un concept idéologique et politique. Idéologique parce qu'on va amener tout le monde à regarder de la même façon, à penser de la même façon, à agir de la même façon, à apprécier les choses de la même façon. Politique parce qu'on va imposer des vues et des actions qui vont donner à l'homme finalement de ne plus être libre, mais d'agir, sinon de travailler ou de marcher selon les directives qui vont lui être données. Alors, comment le gouvernement mondial travaille? Il travaille à partir de la maîtrise de domaines déterminants dans la conduite même des affaires de l'humanité. Le domaine politique, le domaine économique et financier, le domaine religieux et puis le domaine des médias. Quand vous avez la maîtrise de ces domaines, j'ai envie de dire, vous contrôlez le monde. Et le nouvel ordre mondial, par le recrutement des élites, la formation de groupes de pression, la formation de fédérations, de fondations élitistes, le nouvel ordre mondial va agir dans ces domaines et puis travailler à promouvoir l'idéologie en question. Par exemple, dans le domaine du film, l'industrie du film va être financée à grands frais et véhiculer un certain mode de pensée. Et comme c'est un travail qui se fait sur une échelle mondiale, il faut donc toucher toutes les franges de la population à travers des séries de films qui vont endormir les personnes et beaucoup plus l'église. Donc cette industrie, on va également marquer les esprits des enfants, et ça c'est important. Des dessins animés vont être produits, dessins animés à partir desquels on va introduire de façon des images perverses pour marquer l'esprit des enfants, de sorte qu'en grandissant, ils s'accommodent de ces réalités, j'ai envie de dire, destructrices, et puis que ça devienne pour eux la norme. En travaillant de cette façon, on amène donc les populations à regarder d'une certaine façon, c'est-à-dire la façon dont nous-mêmes nous pensons être la meilleure pour le monde. Ça, ce n'est que l'industrie du film. L'aspect politique, ce sont des grands groupes qui vont se créer. Ensuite, l'aspect économique et financier, c'est également de grandes structures qui vont se mettre en place pour imposer une façon de conduire nos économies et puis proposer des prêts assortis de conditions. C'est comme ça que nous avons connu à l'époque les programmes d'ajustement structurel. On peut vous prêter de l'argent à condition que vous respectiez des directives qu'on vous donne au mépris même de vos populations, au détriment de vos populations, pourvu que vous fassiez leur affaire. Au niveau religieux, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un peu ce qu'on peut appeler des associations, des regroupements contre nature, au nom de Dieu. Mais quand je dis Dieu, Dieu ne renvoie pas au Dieu de Jésus-Christ. Plusieurs religions l'appellent Dieu, mais la Bible ne l'appelle pas Dieu en tant que tel. Soit c'est Yahvé, soit c'est l'Éternel, soit c'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. On va donc faire de la confusion en utilisant le vocable pour que des personnes se mettent ensemble et qu'on puisse véhiculer ou partager une idéologie qui n'est pas celle dont parle la Bible. Donc vous comprenez que
C'est tout ce travail-là que le nouvel ordre mondial est en train de faire. Juste une dernière question avant de donner la parole à mon collègue de l'ordre. Ancien, qui impose quoi à qui? Parce que vous avez parlé d'un courant de pensée dans le but de dominer. Qui domine qui? Bon, c'est une élite, hein, comme je vous le disais. Ne perdons pas de vue qu'au fondement du nouvel ordre mondial, c'est le diable, Satan. Et Satan a ses suppôts, il a ses hommes. Et donc, ces hommes-là détiennent un pouvoir financier qui leur donne d'imposer leur vue. Et donc, quand vous regardez dans le monde entier, il y a des personnes qui sont à des postes de décision qui, j'ai envie de dire, qui dirigent le monde. Mais vous regardez, ces personnes-là sortent de ces groupes qu'on a appelés les groupements de sociétés secrètes. Ils appartiennent à des clubs d'Illuminati, ce sont des francs-maçons, ils appartiennent au nouvel ordre mondial, au nouvel âge, etc. Donc, ils ont un pouvoir financier, ils sont à des postes de décision pour infléchir les positions, et puis, à partir de cette position-là, ou de leur position, ils agissent donc sur les peuples ou les gouvernements ou les populations. Donc, ce sont ces personnes qui constituent les instruments qui travaillent. Et c'est les personnes que nous voyons chaque jour, que nous connaissons, qui font l'apologie d'une certaine moralité, de code de conduite, alors qu'ils n'en sont même pas des exemples, malheureusement. Raphaël Aoni, je rappelle que vous êtes l'ancien de l'église renommée, Assemblée des Dieux en Côte d'Ivoire. Oui, exact. Si nouvel ordre mondial il y aura, quel rôle jouera Jésus-Christ? Non, dites plutôt si nouvel ordre mondial il y a, et ça existe. C'est même pas une affaire de futur. C'est un courant qui existe déjà et qui a posé des actes forts et qui continue de travailler. Ce qu'on doit comprendre, qui est fondamental pour moi, c'est que cet ordre-là ne va pas disparaître maintenant. Je vous ai dit, le nouvel ordre mondial prépare la venue de l'Antichrist. Et la Bible en parle. Si c'est donc le cas, ça veut dire qu'ils vont continuer de travailler. Mais qu'est-ce qui est remarquable et qu'est-ce qui est réjouissant pour nous? Puisque la Bible en parle, et que c'est un signe, c'est l'un des signes du retour de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous devons donc comprendre que Jésus est à la porte. Nous devons donc nous attacher fermement à notre foi en Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est notre responsabilité que d'annoncer la bonne nouvelle pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Des hommes et des femmes qui sont en train d'être pris au piège, cet ordre, puissent en sortir. Des hommes et des femmes qui sont déjà pris au piège de cet ordre puissent en être délivrés. Donc c'est notre responsabilité. Mais nous ne pourrons pas empêcher. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Parce que ça participe des choses dont la Bible a parlé. Et nous, pour nous, c'est ainsi. Pour que nous comprenions que nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Pour que ceux qui ne croient pas, c'est l'occasion pour eux de donner leur vie à Jésus. Et puis d'échapper à cette horde qui broie tout sur son passage. Il n'y a que ceux qui croient en Jésus qui peuvent leur résister et même vaincre leurs idées et, malgré l'hostilité, continuer de marcher sur le chemin de la vie. Nous allons momentanément marquer une courte pause pour souffler un tout petit peu en musique et on se retrouve tout juste après pour la deuxième partie de cette émission, notamment celle qui est consacrée aux questions et réponses. Donc il y a un charmant public qui est là, qui va poser des questions en rapport avec le sujet de ce soir. Et il y aura également des réponses de la part de notre invité, notamment l'ancien Raphaël Aoni. Donc, musique, et on se retrouve tout juste après pour la suite.
chercher ceux qui sont restés debout. Ce que l'époque d'aujourd'hui a traité de fou. Yeah. Ceux qui sont restés au garde-vous. Ceux qui à l'évangile ne sont pas restés sourds. Et tout le monde va fléchir, c'est deux genoux. Plus aucun sceptique ne sera dans le doute. Non, plus personne sera dans le flou. La vérité éclatera à la face de tous. Le Fils de l'homme se prépare. Jésus va faire son combat. Oh, je voudrais tant y voir, ensemble héritier de sa gloire. Car il revient, nous chercher, toi et moi. Ce jour glorieux, où seras-tu? Seras-tu laissé malcontente, ou veillé sur la montagne de Sion, de Sion? Sa parole en vrai avait déjà tout dit. Merci de nous rejoindre à nouveau dans la deuxième partie de cette émission, notamment réponse à vos questions qui portent sur le thème « Le retour de Jésus-Christ et le nouvel ordre mondial ». Notre invité, l'ancien Raphaël Aouni, est revenu en long et en large sur le sujet. Place à présent à la partie réservée aux questions et aux réponses du public. Exactement comme vous venez de le dire, Dominique, nous passons à la deuxième partie. Ici, réservé pour les questions, nous commençons avec la première personne, j'ai dit le frère Alain. Merci. Alors, ma question porte essentiellement sur le retour de Jésus-Christ. Je vais simplement poser à votre invité la question de savoir, à mesure qu'on se rapproche du retour de Jésus, à travers les événements, à travers les faits qui sont constatés, qui sont constatables, on se rend compte que l'Église de plus en plus se dégrade en termes de, témoignage, en termes de prestance. On assiste de façon pratique à plus de scandales. Il existe même des scandales qu'on n'a pas eu l'occasion d'écouter dans des années passées. Et à mesure qu'on s'approche, on a l'impression que l'Église se dégrade. Je voudrais avoir votre éclaircissement, votre avis sur cet aspect qui nous inquiète. Voilà pour ma question. Merci. Merci. Les signes annonciateur du retour de Jésus parle aussi de l'Église, de ce qui va se passer malheureusement dans l'Église. La Bible parle, je l'ai dit il y a quelques instants, de la charité du plus grand nombre qui va se refroidir. La Bible parle même de l'iniquité qui va s'accroître. La Bible parle même de ces séducteurs qui vont apparaître. Et la Bible dit même que si ces jours n'étaient abrégés, même les élus auraient succombé à ces séductions. C'est malheureux de le constater, mais c'est en même temps une sorte d'alarme. L'Église qui, selon Paul, est l'appui et la colonne de la vérité, ne doit pas perdre de vue que Jésus revient. Si vous l'avez constaté, de moins en moins dans nos églises, on parle du retour de Jésus. On est beaucoup plus préoccupé par les choses de la vie. Et avec le développement des technologies, on est même beaucoup plus préoccupé par ce que nous mangerons demain. On perd de vue que ces choses ont été annoncées et on se démarque de plus en plus de cette vérité fondamentale. Pour nous, c'est le lieu de nous rappeler à nous-mêmes que nous devons nous ressaisir. Parce que c'est il y a une sorte de léthargie, de mutisme qui donne à l'Église de ne pas être l'élément dont Dieu parle qui peut impacter son environnement.
Si nous sommes encore éveillés par rapport à ces choses, maintenons cet éveil et puis rappelons-nous à nous-mêmes que ce sont des signes annonciateurs du retour de Jésus. Et on a besoin donc de revenir à la parole de Dieu pour ne pas nous aussi nous laisser emporter par ce qui se fait. Mais ce sont des éléments dont la Bible a parlé et c'est à nous de prendre conscience qu'il est à la porte. Et l'ancien Raphaël, pour la deuxième question, nous passons le micro au frère Glicher. Bonjour ancien, moi c'est le frère Glicher de l'église des Assemblées de Dieu de Bethel. Voilà, donc j'aimerais poser ma question sur le thème qui est très intéressant autour de Jésus et le nouvel ordre mondial. Alors moi je me baserai beaucoup plus sur tout ce qui est TIC, donc tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, tout ce qui est éthique globale. Alors aujourd'hui on parle du nouvel ordre mondial. Et en vous écoutant, vous avez dit qu'aujourd'hui le nouvel ordre mondial s'est implanté dans plusieurs domaines du monde, et de la vie en tout cas, j'allais dire. Alors, parlons-en d'éthique. Dans quelle ou sous quelle forme, j'allais même dire, ce nouvel ordre mondial intervient-il dans, effectivement, dans ce domaine-là? Et aussi, j'aimerais savoir quelles sont vraiment les précautions que l'Église doit prendre pour faire face effectivement à ce fléau qui est effectivement apporté par l'éthique. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que ces éthiques-là, effectivement, permet aussi le développement, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu simple. Merci. Je ne dis pas que tout ce qui est développement est tout de suite sujet à destruction, etc. Le développement des technologies nous montre comment l'homme, en tant qu'être créé par Dieu, peut s'y prendre pour faciliter son quotidien. Et aujourd'hui, on peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde à travers un certain nombre de dispositions technologiques qui ont été mises sur pied. Ce n'est pas mauvais en soi. Et vous êtes d'accord avec moi que ce développement-là aussi a ouvert les portes à une sorte de dépravation, même une sorte de champ à partir duquel on véhicule des idées pour tous ceux qui sont en contact avec ces technologies-là. Il y a des personnes, probablement que vous connaissez, qui à partir des TIC font de l'évangélisation. Et donc, on a utilisé ce moyen-là pour le mettre au service de l'évangile. Malheureusement, il y en a d'autres qui l'utilisent pour propager aussi les idées de ce nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, vous avez accès, par exemple, à Internet. À partir d'Internet, vous pouvez avoir accès à toutes sortes d'informations. Il y a des personnes qui sont entrées en contact avec les ordres mystiques, avec des groupes de radicalisation, avec même des groupes pervers à partir d'Internet. Alors, je veux dire qu'il y a le revers de la médaille. Si nous pouvons utiliser cela pour faire avancer le royaume de Dieu, tant mieux. Parce que dans tous les cas, n'oublions pas que c'est à notre Dieu qu'appartient la terre et ce que la terre en fait. Mais ne faisons pas des tics, ne lui collons pas une étiquette de démon, etc. Non, pas du tout. Mais l'utilisation qu'on en fait va déterminer l'utilité de cet outil entre nos mains. Le deuxième point de votre question, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Cette question est d'autant plus importante que chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Si vous avez, par exemple, des enfants, il vous appartient de définir vous-même leur champ de jeu, de plaisir et de loisir. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le regretterez demain. Il faut prendre nos responsabilités. Ne nous disons pas qu'aujourd'hui, on doit laisser la liberté aux uns aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous savons qu'il y a un danger derrière tout cela. Donc, en tant que chrétien, il est important que nous nous imposions un code de conduite
une façon d'être et de faire, même si elle semble être décriée. Nous, ce que nous recherchons, c'est de travailler à notre salut, de préserver le salut acquis et de faire en sorte que ceux qui sont sous notre responsabilité, eux aussi, empruntent cette voie qui, manifestement, est la meilleure des voies. Il y a donc lieu de prendre ses responsabilités. Et pour la troisième question, nous passons le micro au frère Marius. En Matthieu chapitre 24, il est dit que Jésus viendra sur les nuées et toutes les nations de la terre vont le voir. Alors, j'aimerais savoir comment faudrait-il comprendre Jean chapitre 14, verset 19, où Jésus dit et je m'en vais et bientôt, et le monde ne me verra plus. Est-ce qu'il va venir de façon ostentatoire, ou bien est-ce que son retour, c'est nous seulement qui l'avons accepté, qui vont voir? Merci. La Bible nous donne quelques orientations sur le retour de Jésus. Dans Matthieu 24 que vous avez cité, la Bible montre que on le verra. Quand vous lisez Actes chapitre 1, alors que Jésus s'adressait à ses disciples sur le mont des Oliviers, et qu'après son discours, il a commencé à s'élever de terre et il partait, et ses disciples le regardaient partir, deux anges sont apparus pour leur dire « Ce Jésus que vous voyez reviendra de la même manière. » Quand vous lisez les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, Paul rappelle aux Thessaloniciens, il dit aux Thessaloniciens, « Vous ne devez pas être dans l'ignorance. » Parce que ce Jésus-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus va apparaître dans les nuées, tout comme il est monté par les nuées, il va apparaître et tout œil le verra. Et il leur dira même, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui seront encore vivants, eux et les morts en Christ, ils vont donc rejoindre le Seigneur dans les airs. Leur corps sera transformé et puis ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs. Alors, ça dit que Jésus ne viendra pas de façon, comment je pourrais dire, de façon cachée, voilà, je peux dire ça de façon si simple. Sa venue sera une surprise, mais il y a dans Dieu, dans son amour, nous donne quand même un certain nombre de signes pour ne pas que nous soyons complètement déphasés. Maintenant, la notion de tout œil le verra, je voudrais dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est Dieu qui a parlé. Et quand lui dit, il le fait. Comment il le fera, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est que quand je regarde, d'après la question précédente qui m'a été posée, le développement des nouvelles technologies, ou quand un événement se passe à l'autre bout du monde, on peut le voir partout dans le monde. Est-ce que cet événement-là ne va pas captiver toute la planète au point où, effectivement, tout œil le verra? Gros point d'interrogation. Mais ce dont je suis convaincu et certain, si la Bible a dit, c'est ce qui va se faire. Comme nous allons maintenant et sûrement vers la fin de cette émission. Dominique, j'ai plusieurs questions avec moi, mais nous serons obligés de prendre au moins deux personnes. Et on commence, on ne peut pas quand même terminer sans donner la parole à une femme qui est juste derrière toi. Nous passons le micro à la sœur. La sœur a une question, et ensuite nous allons prendre les deux derniers intervenants de cette émission. Bonsoir, je suis la sœur Kétia de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Bethel. Ma question, c'est par rapport à la mondialisation et à l'esclavage. Lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'Afrique, on se rend compte que les colons sont venus avec la religion, on va dire l'Église, avec Jésus-Christ, pour présenter aux Africains afin de
excusez-moi l'expression, mais mieux prendre les richesses. Est-ce que ça ne concerne, ça ne constitue pas en fait une forme de nouvel ordre en fait qu'ils ont apporté aux Africains? C'est vrai que nous sommes dans le cadre chrétien, mais est-ce que ce n'était pas déguisé en fait? Est-ce que la religion qu'ils ont apportée n'était pas une manière de nous conformiser aussi? Merci, c'est possible. Hein. Ben, regardez, quand vous sondez l'histoire, vous découvrez que quand les colons sont venus sur nos terres avec l'idée de nous apporter un éclairage, derrière cette idée, il y avait une autre qui était d'ailleurs la plus importante, celle de pouvoir nous exploiter, exploiter nos richesses et puis finalement devenir les maîtres des lieux. Ils n'ont pas mis en avant cette idée parce que ça allait paraître un peu trop grotesque et puis un peu trop dirigiste. Donc on va mettre en avant l'amour de Dieu et puis parler de l'amour du prochain, nous donner donc d'épouser une religion qui par la suite, il faut le reconnaître, a apporté tout de même quelque chose. Mais derrière cet acte, il y avait quelque chose d'autre qui était plus fort. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils y ont mis les moyens. Et donc, en nous ramenant à l'idée selon laquelle il fallait s'engager dans cette nouvelle religion, c'était une manière aussi pour eux de nous contrôler. Parce que les idées véhiculées allaient être des idées qui allaient être partagées de façon commune. Et sur cette base, on allait donc nous donner un semblant de prise en charge, mais qui en fait cachait toujours l'idée de s'implanter et de pouvoir exploiter nos richesses. Je vous renvoie à l'histoire. Regardez tous ceux qui ont signé les traités avec les rois et les chefs africains. C'était des éléments de la marine marchande, de la marine pardon, nationale des pays colonisateurs. Et la plupart des traités, ils l'ont signé dans nos eaux, mais dans leurs bateaux. Et donc, les traités commençaient pratiquement tous de cette façon, au nom de l'empereur tel, etc., etc. Et puis, ils étaient signés par le capitaine en question, le responsable, et puis le chef qui matérialisait son accord juste par un signe, une croix, quelque chose comme ça. Mais quand vous regardez le contenu, nos chefs ont légué les richesses à ces personnes-là. Donc on est venu au nom d'une religion qui venait apporter la lumière, mais derrière cette religion, il y avait plutôt d'autres types d'intérêts et qui ont prévalu par la suite et qui malheureusement aujourd'hui encore prévalent dans nos rapports. Nous voulons cette deuxième étape avec le frère bienvenue. Merci, je vous remercie. Ma question se basait sur le retour de Jésus. Tout à l'heure, que ceux qui sont morts en Christ vont se ressusciter le dernier jour avec les élus de Jésus. Donc, j'aimerais savoir si ce jugement-là se fera dans la chair ou dans l'esprit, c'est-à-dire si une personne meurt, le corps, la chair, il reste, c'est l'esprit qui sort d'elle. Est-ce que le jugement se basera sur l'esprit ou sur la chair? Ce que j'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, donc je ne l'ai pas inventé. Quand Christ va apparaître, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et ceux qui seront en vie vont être changés, c'est-à-dire leur corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et ils vont rejoindre Christ dans les airs. Quand je lis la Bible, si je m'en tiens à ce premier niveau de l'emploi de cet être, quand on dit un corps, pour moi c'est un corps physique. Ce que nous devons comprendre, c'est que autant Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas,
Autant Dieu est capable de redonner un corps qui a disparu depuis des millénaires, parce qu'il est Dieu. Donc pour moi, c'est une résurrection qui va montrer l'aspect physique. Et puis après, il y aura d'autres éléments. En tout état de cause, ne perdez pas de vue que tous ceux qui vont rejoindre le Seigneur, finalement, ils vont régner ou ils vont venir régner sur la terre. Donc, ils ne vont pas régner en ayant des ailes, mais ils vont revêtir un corps qui sera maintenant incorruptible. C'est-à-dire, un corps qui ne va plus manifester les désirs de la chair, dont parle Galates chapitre 5, verset 20 et suivant. Donc, vous voyez que ça va être quelque chose de glorieux, dont l'aspiration devra simplement se porter vers l'adoration du Seigneur. Donc, pour moi, c'est ce que je crois, et Dieu en est capable. D'ailleurs, souvenez-vous, quand Jésus est sorti du tombeau, il y a des morts qui sont revenus à la vie. Des justes, dit la Bible. On ne nous dit pas combien de temps ils ont passé dans le tombeau, mais ça dit qu'il y a des gens dont les corps étaient décomposés depuis, mais ils sont revenus à des tombes, se sont ouvertes, et la Bible dit qu'ils ont fait leur entrée dans Jérusalem et des personnes les ont vus. On ne peut voir que quelque chose qui est physique. Et donc Dieu en a la capacité. C'est la fin de cette deuxième étape. Mais je voulais quand même poser une question au ancien Raphaël. Il est derrière toutes les vicissitudes, les déclarations des uns et des autres. Il y a certainement une personne qui nous suit en ce moment qui s'est posé plusieurs questions. Savoir qui sauvera les mondes pendant que certains noirs sont à la recherche d'un sauveur noir. Vraiment, je voudrais les encourager à arrêter leur recherche parce que Jésus est mort pour tous les hommes. Et vous voyez, une telle idée vient encore apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent que le noir a été maudit. La Bible ne le dit pas. Vous lisez, vous sondez les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. S'il y a un peuple dont les traces n'échappent pas aux 66 livres de la Bible, c'est bien le peuple qu'on a appelé le peuple noir. Mais en fait, fondamentalement, c'est un peuple. On les appelle les marrons, mais on a dit peuple noir. Donc le noir n'est pas maudit. Donc il n'a pas besoin de chercher un sauveur noir. Depuis la description du jardin d'Éden, si vous regardez les différents bras des fleuves, il y a un fleuve qui venait en Afrique, le fleuve qui regorgeait d'or. Vous regardez tout le cheminement de la parole de Dieu, vous verrez que on peut partir d'Abraham. Quand il a eu la famine, il est descendu en Égypte. L'Égypte, c'était l'Afrique. Il est reparti de l'Afrique avec des richesses. Vous regardez Moïse, vous regardez, je ne sais pas, je peux vous citer des exemples à un point fini. Israël est libéré du peuple. Joseph est venu en Égypte. Les principes qu'il a développés, que nul n'a pu développer encore sur la terre des hommes, malgré l'évolution technologique, c'est en Afrique qu'il a fait. Jésus lui-même, quand il était menacé de mort par Hérode, que l'ange est apparu à Joseph et Marie, qu'est-ce qu'il lui a dit? D'aller en Égypte, en Afrique. Pour qu'il puisse accomplir l'œuvre ultime de la croix, il a fallu qu'un Africain, Simon de Cyrène, porte la croix. Donc vous comprenez que ceux qui sont à la recherche d'un Dieu, d'un sauveur noir, je les exhorte, parce que c'est peine perdue. Ce Jésus-Christ de Nazareth, là, est mort pour le monde entier. Donc, le salut par Jésus-Christ est aussi pour l'homme appelé l'homme noir. Si vous me donnez une opportunité, je serais heureux de venir parler du rôle du noir dans la Bible. Et vous serez émerveillé de comprendre que ce Dieu-là, il n'a jamais quitté du regard celui qu'on appelle l'homme noir. Il a inclus depuis le commencement dans son projet de salut. Vous avez compris que pour toutes les questions difficiles de la vie, Jésus-Christ est la réponse. Alors, je vous passe le micro, Dominique. Monsieur Raphaël, pour finir, une dernière question.
Je vais revenir un peu sur le nouvel ordre mondial. Vous avez parlé des programmes audiovisuels. Pourriez-vous être un peu plus explicite? Parce que vous nous avez présenté que le domaine audiovisuel constitue aussi le domaine par lequel les investigateurs, les initiateurs du nouvel ordre mondial utilisent pour manipuler. Alors, quels sont ces programmes-là? Et après identification, que devons-nous désormais regarder pour ne pas être victimes de ce nouvel ordre mondial? Bon, appelons-là plutôt les acteurs et non les initiateurs. Ils sont en plein dans l'action. J'avais parlé de l'industrie du film, par exemple. En Amérique du Sud, il s'est développé une série de films qui aujourd'hui foisonnent sur notre continent. Et ces films-là parlent un peu des questions liées au sexe, à l'amour. Et quand vous regardez les intrigues de ces films, on ne tire aucune instruction. Parce que c'est des scénarios avec des personnes, une famille dont le fils couche avec la femme de son père ou avec l'ami d'un tel, etc. Et ces films-là sont répandus sur notre continent. En fait, c'est des films qui étaient en train de préparer le commun des mortels à accepter la dislocation de la cellule familiale telle que présentée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, on en arrive à quoi? Le mariage pour tous. Et on va jusqu'à dire que des gens de même sexe peuvent contracter un mariage. Et l'aberration, c'est que ces gens-là veulent adopter des enfants. S'ils croient que contracter un mariage étant de même sexe, c'est quelque chose de normal parce que faisant partie de la liberté, ben, qu'ils s'empoignent et qu'ils produisent des enfants. Il y a aussi le fait que dans certains films, je parlais de dessins animés, on montre des scènes de dédoublement. Pour que les enfants puissent intégrer cela et faire corps avec ces choses-là. De sorte que quand ils grandiront demain, qu'on leur parlera d'une possibilité de dédoublement, ils vont y adhérer facilement. Or, les hommes mystiques pratiquent ces choses-là. Dans certains dessins animés qui sont élaborés, les personnages principaux, si vous faites attention, celui qui les met en scène dans le dessin commence toujours par un sexe, soit un pénis, soit un vagin. Et c'est autour de ce sexe qu'il décide le personnage principal. C'est subtil. C'est pour ça que je disais, c'est notre responsabilité. Évidemment, vous m'avez demandé, à juste titre, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder. J'ai envie de dire, on est vraiment exposé à tout aujourd'hui. Même une publicité qui apparemment n'a rien à voir avec l'aspect sensuel et sexuel, vous verrez la personne qui est en train de réaliser la publicité subitement en train de poser ou de pratiquer des actes érotiques. Ça n'a rien à voir avec l'objet qu'on présente. Mais pour eux, c'est un moyen de toucher les personnes, de jouer sur leur conscience et leur esprit. C'est pour cela, encore une fois, pour nous, faisons attention. Vous regardez un film et puis subitement, il y a une scène obscène qui apparaît. Et il y a des parents qui, gênés, disent à leurs enfants, fermez les yeux. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'un parent responsable puisse identifier des films pour ses enfants. Parce qu'il veut éviter que ses enfants ne soient pollués. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Le monde ira de mal en pis. Et si nous ne veillons pas, nous risquons d'être emportés avec lui. Donc, faisons attention. Regardons même les films dits chrétiens, il y en a qui sont complètement en déphasage avec la sainte doctrine. Parce qu'il y a des groupes qui se sont mis aussi dans la production de ces films-là,
Et on va vous faire accepter des choses qui ne sont pas bibliques. Vous comprenez que nous sommes sur un terrain miné. Il nous appartient d'être vigilants, de faire attention et puis de prendre nos responsabilités. Dites-moi au fond, si vous ne regardez pas les films dont je viens de parler, qu'est-ce que ça va vous enlever? Mais il y en a qui vous diront peut-être que vous n'êtes pas à la mode. Mais on oublie que ces films-là sont faits pour endormir l'Église. Parce que c'est la seule force, je vous ai dit, qui peut résister, et bien plus, qui peut permettre à ce que le maximum de personnes puissent sortir et ne pas emprunter le chemin de la mort. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça, en espérant qu'avec le Saint-Esprit et le discernement, chacun de nous pourra faire la part des choses et puis avancer parce que Jésus est à la porte. C'est sur ces paroles que, ancien Raphaël, nous vous remercions de nous avoir entretenus sur le thème « Le retour de Jésus-Christ et le nouvel ordre mondial ». Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission qui est pour thème « Le retour de Jésus-Christ et le nouvel ordre mondial ». Merci à vous d'avoir été nombreux, merci de nous avoir suivis. Donc, le prochain numéro portera sur le parcours du tabernacle avec l'artiste gabonaise Diane Omega. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.